Bonjour à tous, c'est Yeye et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du walkthrough sur Xenoblade Chronicles X, donc l'épisode 3. La fois précédente, nous avions tout simplement fait des quêtes secondaires qui nous a surtout expliqué le fonctionnement des sondes avec les différents types de sondes, comment les placer, comment les modifier et qu'est-ce qu'elles rapportaient. Donc là, on va continuer clairement sur tout simplement les quêtes secondaires. Donc c'est parti pour l'émission. Tac, confirmé. Et cette fois-ci, on va pas tourner en rond 107 ans pour sortir de la ville. Hein. C'est clairement ça qui nous a pris beaucoup de temps lors de l'épisode précédent. Donc là, vous avez vu, j'ai bien retenu par où sortir. Là, c'est parti pour essayer de retrouver Connor. Hop. Allez, en avant. En tout cas, ouais, les décors sont quand même toujours aussi, aussi cool. Les musiques sont sympas aussi, même si je pense qu'elles sont quand même beaucoup moins mythiques que celles du premier. Et après, je trouve, en tout cas pour l'instant, je trouve le jeu quand même beaucoup moins brouillon que le premier. Parce que le premier, c'était clairement, vas-y, débrouille-toi, quoi. Hop. Par là, il y a un point d'exclamation. Où es-tu, cher point d'exclamation? Alors, sauf si... pas fou quand même. Ah si, je pense que forcément c'est le point en jaune.
Ah non, le voilà. Hey Connor. Ah, on va plutôt dire que c'est Monica qui s'inquiétait pour lui. Hein. Hop, donc trouver le terminal. Très bien. Oh, je suis pas morte. C'est cool ça, si on meurt pas avec les dégâts de chute. Là, je vais juste récupérer tout ce qu'il y a autour là-bas en petit... Hey. Vous êtes des gentilles bêtes, vous. Ça a l'air d'être des gentilles bêtes. Par contre, on va pas trop s'approcher, hein, parce que des niveaux 33... C'est sûr, il me one shot. C'est plus dans cette zone. Où est-ce qu'il aurait bien pu mettre son terminal ? Il est marrant ce Connor, mais il l'a pas perdu au meilleur endroit son terminal. Parce que ici ils sont tous au niveau et ils attaquent à vue. Hein.
Comment je trouve son putain de terminal à lui? Oh, regardez-le. Je sais pas si vous avez vu où est le terminal, mais... Non, mais avance! Ah, et je peux... Bon, je me suis fait one shot. J'ai trouvé où était le terminal, mais laissez tomber, quoi. C'est forcément devant des monstres niveau 36. Et le problème, c'est que je pensais qu'en rechant, je pouvais le récupérer. Mais en fait, dès que le mode combat s'active, et ben le truc, c'est que je ne peux plus récupérer d'objets, en fait. Donc ça, c'est pas cool. On va y retourner en espérant qu'il n'y ait pas de niveau 36, mais... Vous êtes sérieux? C'est quoi ce niveau 56? Et puis en plus de ça, c'est un niveau 56, mais qui attaque à vue, hein. Ils attaquent tous à vue, quoi. Quittons vite cette zone de fou furieux, là. Ah oh, putain, un niveau 33 qui attaque à vue, un niveau 37 qui attaque à vue. On va tenter de passer par là. Les gars, les filles, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est quoi cette zone? C'est quoi cette zone? Et on est à deux pas de la ville, entre guillemets, hein. Y a pas moyen de les attirer ailleurs, sérieusement. Ouais, j'ai l'impression que cette mission, c'est mort, quoi. On pourra rien faire. Par contre, toi... Ah! C'est un niveau 10. Avec...
un point d'exclamation sur sa tête. Hop, bon, cette mission étant du grand n'importe quoi. Hein, faut dire ce qui est. On va faire cette mission. Alors le truc. Opération clandestine, nous avons besoin d'anneaux broyeurs. Toutes les informations supplémentaires sont réservées aux personnes directement concernées. Ok, donc il faut que je récupère 5 anneaux broyeurs. Comment je vais savoir ça? Tac. Ok, donc là, ça, on sait pas comment ça fonctionne. Donc c'est pas grave, on va changer de mission. Trouver du miranium pour aider à la recherche des propriétés pour que l'on puisse ainsi l'utiliser de façon plus efficace. Allez, donner 1200 unités de miranium, ben dis donc. Abattre sirène l'égarée du monde de... Hop. Un tyran empêche l'expansion de frontières naves. Abattez sirène l'égarée. On va tenter celle-ci. Hein. En espérant que ce soit pas un tyran de fou furieux, parce que sinon, on est dans la merde. Hein. Clairement... Donc ceux-là, je continue à les taper parce qu'apparemment, il y a des quêtes là-dessus. J'ai l'impression qu'on a un peu aggro, un gros. Et ça, c'est pas cool. Hey,
Par contre, je sais pas qui a aggro le gros, mais c'était pas une bonne idée, quoi. Donc là j'essaye de faire du kiting mais combien de temps ça a duré? Putain j'ai plus que 41 de vie. Et voilà, on est mort. Super, il y aurait pas eu le gros, c'était bon. Là, clairement, c'est la lose, mais c'est la lose. Bon, à mon avis, j'ai une quête qui consiste à... attaquer... les suites cuivrées. Donc, on va le faire. Alors, hey mon petit. Hop, mission terminée. Des suites privées empêchent l'installation de sondes et miner ces individuels importants. Bon. Lynn qui allait faire n'importe quoi. Mais on a réussi une mission. Ce sera au moins ça. Ce sera pas un épisode où on sera bredouille. Et donc pour l'instant je joue vraiment distance hein. Parce que clairement pour l'instant j'ai peu de vie. Mais quand je serai vraiment monté, j'en profiterai pour vraiment j'en profiterai vraiment pour jouer au CAC. Parce que moi je suis plutôt joueur CAC hein. Mais on va dire que je pense que pour un début, il vaut mieux se contenter du combat à distance, quoi. Et donc là, on va partir vers un tyran en espérant que le tyran soit pas over au point de vue niveau. Hop. C'est un niveau 13. On va tenter. I'm good to go. Quand tu veux t'attaques. Merci. Pour l'instant on lui fait clairement pas énormément de dégâts. Hein.
Alors que moi j'ai pris très cher en une attaque là. Ah, vous êtes sérieux? Elles sont déjà à terre, elles. Ok, bon. Ah bah on va mourir contre ce... Comment dire, je vais mourir. Bon, donc cette mission, ce n'est pas jouable non plus. Très bien, donc ce qu'on va faire, là clairement c'est l'épisode de la loose. Et ben on va... Nous cherchons à pousser nos recherches sur la reproduction de la faune locale, amenez-nous des lapins Z. Récupérer 3 lapins Z dans Primordia, si je fais ça... C'est une quête comme ça de récupération. Du coup. Développer le développement de nourriture avec les nombreux fruits de Mira est en cours à l'usine de production intégrée de New LA, rassembler du matériel de recherche. Récupérer 4 canneberges gelées dans Primordia. Donc là, on en a récupéré 4. Donc ici, le mirarium, je sais même pas comment on le récupère. Se munir d'un couteau en titane 2 et tuer 4 blata grimpantes dans Primordia. Récupérer 4 perles Senolac dans Primordia. Récupérer 5 anneaux broyeurs dans Primordia. Et Connor, c'est juste du grand n'importe quoi. Donc on va faire cette quête. Donc là, ouais, ça prouve bien l'importance. De récupérer les sphères bleues. Donc toi, tu vas nous attaquer à mon avis. Une petite chute. Hop. Alors, là-bas, déjà, il y a un trésor. Voilà. Ensuite, bah, continuons sur notre avancée. C'est moi où j'ai vu un dindon couillu faire le fou. Ah, c'est peut-être moi qui ai rêvé. Alors, en espérant que cette mission est faisable, parce que bon, clairement. Et ok, donc là maintenant j'ai compris.
Ceux qui ont des symboles là violets tout bizarres, ce sont tout simplement des tyrans. Donc à mon avis, l'équivalent des monstres ayant leur propre nom dans le premier Xenoblade, c'est-à-dire que c'est des monstres en apparence normaux, mais qui en fait sont plus puissants, à niveau égal, sont plus puissants que les monstres de base. On va toujours pareil, restez modeste hein, parce qu'en fait on n'est pas arrivé ici en facilement, hein, on a pris cher. Hein. Donc là c'est vrai que... Bon. Oui, c'est celui-ci qui nous intéresse. Et donc c'est ça leur gros monstre qui est sorti de nulle part. Parce que j'ai connu bien plus gros. Hein. Et voilà. Parler à Mills, mais je suis désolé.
Hop. Hey, c'est parti. Allons parler à Mills. Et dire que le mec, il était en méca et il a eu du mal contre ça. Eh ben, dis donc. Tu ferais mieux de me rendre ton... de me donner ton méca, hein, mon gars. Hop, on va demander quand même. Hop, donc, une petite mission terminée. Et donc, on en est à combien sur cet épisode? Hop, 37 minutes. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein, un peu un épisode de la loose parce qu'on est tombé face à des missions où on nous demandait quand même de tuer des choses beaucoup plus puissantes que nous. On va s'arrêter là, et la fois prochaine, nous irons faire tout simplement la mission du chapitre 2. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!